Bonjour. Quelle administration pour la République démocratique du Congo, quel homme pour gérer l'intérêt général dans la probité, la compétence, la productivité également? Comment se défaire des mauvaises habitudes, des années corruption, des années confusion, des années fainéantise, des années 80, 90, 2000? Il a fallu l'arrivée de cette école pour commencer à créer, mettre sur le marché du travail, notamment le marché du travail public, un nouveau Congolais. Mais le challenge est de taille parce qu'effectivement, les habitudes ont la peau dure. C'est pour cela que nous avons invité aujourd'hui celui qui dirige cette grande école de référence dans notre pays, l'École nationale d'administration, M. Guillaume Banga, qui est le directeur général et que je demande de venir nous rejoindre sur ce plateau des Télé 50 en direct. Bienvenue, monsieur le directeur général. Bonjour, monsieur Dizi. Merci beaucoup. Je suis très heureux de vous recevoir sur ce plateau parce que nous avons annoncé depuis ce matin votre arrivée, que des éloges sur l'ENA. Semble-t-il, vous avez déjà une réputation de taille sur le marché, notamment avec les élèves que vous produisez. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Effectivement, ces éloges-là, ça nous va droit au cœur parce que nous sommes certains que les gens apprécient le travail que nous abattons sur le terrain. Merci beaucoup. Prenez le siège. Je disais tout à l'heure que vous êtes le directeur général de l'ENA, l'École nationale d'administration. Il y a un challenge dans notre pays parce qu'effectivement, tous les hauts fonctionnaires rencontrent beaucoup de critiques. On dit que le Congolais ne peut pas être à la fois compétent, des habitudes, des probités, d'intégrité. Mais l'arrivée de l'ENA commence à changer la donne. Vous-même, vous êtes, on va le voir tout à l'heure avec le portrait que nous avons réalisé chez nous, le produit de la formation. Vous avez été formé au Canada. D'abord, le fait de vouloir parler aujourd'hui à l'opinion nationale, internationale, c'est motivé par quoi, c'est le TG? Le fait de parler aujourd'hui, c'est motivé par le fait que l'École nationale d'administration, qui a été créée en 2013, bientôt va fêter ses 10 ans. 10 ans, effectivement, c'est en 2023. 10 ans? Oui. Et 10 ans de travail, de qualité. 10 ans de travail soutenu par le gouvernement de la République, parce que l'École nationale d'administration a été créée par le gouvernement de la République en 2013, et ce gouvernement ne l'a pas lâché, je dois le dire quand même. Et on est parti de différents gouvernements, mais l'école n'est pas tombée. Et aujourd'hui, c'est tout le monde qui dit que les produits de l'école d'administration de la RDC, c'est des produits rares. Parce qu'en fait, c'est comme d'aucuns le disent, c'est la crème des crèmes. Et c'est cette crème-là que nous recherchons dans les 26 provinces de la République. Parce que chaque fois qu'il y a recrutement des élèves de l'ENA, nous ne limitons qu'à Kinshasa. Nous allons c'est dans... une première, hein? C'est-à-dire que vous, la géopolitique, vous tenez compte de la représentativité de toutes les provinces. D'autant plus que c'est une école fédérale. On aimerait bien que les produits de cette école puissent servir toutes les provinces de la République. Et même avant que nous puissions arriver à les affecter en province, au moins qu'on ait des gens qui viennent des provinces. Et c'est ainsi que depuis la première promotion, nous avons eu des provinces qui nous ont donné beaucoup d'énarques aujourd'hui, mais les autres provinces n'ont pas dormi, ils se sont réveillés, et aujourd'hui c'est toutes les provinces qui viennent compétir ou entrer à l'École nationale d'administration. Merci beaucoup, monsieur le DG. Nous allons faire votre connaissance maintenant, parce que j'ai signalé tout à l'heure que vous êtes... Un grand commis de l'État. Vous connaissez l'ENA dès la première promotion. Vous étiez là, adjoint. Ensuite, aujourd'hui, vous êtes le patron. Et tout le monde est d'avis unanime que vous menez cette école de main de maître. Voici votre portrait et on se retrouve tout de suite. Homme de rigueur, patriote et attaché aux valeurs de probité morale, Guillaume Banga wa Kimesa est un intellectuel respecté à travers le pays. Licencié en sciences économiques, économie publique et industrielle à l'université de Lubumbashi,
Détenteur d'une certification universitaire de l'ENAP Québec sur le programme international de formation en gestion de la performance dans le secteur public, Guillaume Bangawakinesa est un homme au parcours professionnel très fourni. De 1993 à 1999, il fut vérificateur des impôts à la Direction urbaine des impôts de Kinshasa au ministère des Finances. Pendant 4 ans, soit de 1999 à 2002, il a assumé les fonctions de rédacteur au ministère de l'Intérieur et Sécurité. Son efficacité et sa performance feront de lui chef de division des affaires administratives au ministère de l'Intérieur de 2002 à 2006. De 2006 à 2009, il a occupé les fonctions de responsable du bureau d'études et des projets au cabinet du ministère de la Jeunesse, Sport et Loisirs. En 2011, il devient directeur chef des services des affaires juridiques et contentieux au ministère de la Décentralisation et Affaires Coutumières. De 2014 à ce jour, Guillaume Bangawakinesa dirige l'École nationale d'administration en tant que directeur général. Depuis son arrivée à la tête de l'ENA, Guillaume Bangawakinesa a instauré une gestion orthodoxe et très efficace ayant permis d'assurer une formation adéquate des futurs cadres de l'administration publique. Toujours dans le souci de permettre à l'ENA de conserver sa place de leader en ce qui concerne la formation des agents publics de l'État, Guillaume Bangawakinesa a initié des actions à impact visible et ont permis à l'École nationale d'administration de bénéficier de l'accompagnement de plusieurs pays tels que la Turquie, la Russie, la France, la Corée du Sud à travers la signature de plusieurs protocoles d'accord. Guillaume Bangawakinesa tient à une administration rajeunie et qualitative comme le souhaite le ministre de la fonction publique et conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Mais combien de fonctionnaires ont déjà été mis à la disposition de l'État par l'École nationale d'administration? Quels sont les défis qui restent à relever? C'est à toutes ces questions que l'actuel patron de l'ENA, Guillaume Bangawakinesa, va essayer de répondre face à Jean-Marie Kassamba. Le DG, c'est avec beaucoup d'affection effectivement que je vous reçois également parce que, à titre personnel, depuis la première promotion, j'enseigne à l'ENA et vous nous avez accueillis avec beaucoup de gentillesse et surtout d'exigence pour nous les formateurs. Question, on vient de vous voir, votre parcours, très respecté et respectable. Est-ce que vous étiez prédestiné à l'administration? Prédestiné à l'administration, oui. Parce que je me rappelle, quand j'ai terminé mes études des sciences économiques à Lubumbashi, je suis passé par un stage professionnel à la Sominki, où on voulait même me prendre. Ah oui. Mais je me suis dit, non, moi, je suis destiné à l'administration publique. Ça ne m'intéresserait pas de travailler dans une entreprise privée. Et surtout pas une entreprise mixte. Parce que je visais l'administration publique. Et c'est ainsi que j'essaierai embauché aux impôts. Il est vrai qu'à l'époque, on n'a pas passé les concours pour entrer aux impôts. Ah, il n'y avait pas de concours. Il n'y a pas de concours. Donc j'ai eu la chance d'être embauché aux impôts. Ok. Et c'est comme ça que j'ai commencé comme vérificateur des impôts. Mais je dois avouer que les 7 ans que j'ai passé aux impôts n'ont pas été fructueux pour moi parce que c'était de la galère. On ne travaillait pas. On était sous les arbres. Aux impôts. Aux impôts. Et je me rappelle que pendant que j'étais aux impôts, parce que je m'étais dit que je dois viser très haut, je tomberais sur certains expatriés à l'intercontinental qui m'ont recruté. Pendant que j'étais aux impôts, ils m'ont recruté pour travailler chez Action contre la faim. Donc j'ai été le premier Congolais à travailler chez Action contre la faim. C'est une grande organisation nationale. Hein? Française. Oui. Et j'étais administrateur chez Action contre la faim. Donc c'est moi qui ai implanté Action contre la faim en RDC. Okay. Ça, c'est un parcours d'humanitaire. Mais ce parcours-là m'a été très utile parce que c'est ce parcours-là qui a fait que je puisse moi-même créer ma propre organisation, Hope International, ASBEL, qui est une organisation qui est installée à Kinshasa. Et qui s'occupe de quoi, Hope Espoir? Défense et protection des droits de l'enfant. Ok.
Donc depuis 1999, GEI a travaillé sur la protection des droits de l'enfant. J'ai lancé un centre nutritionnel à Bumbu. Le premier centre nutritionnel qu'on a lancé à Kinshasa, c'était mon centre nutritionnel. Et là, GEI a réhabilité plus de 5000 enfants malnutris, sévères et modérés. Le premier droit de l'enfant, c'est manger. Hein? Manger. Il faut que l'enfant mange pour qu'il soit en bonne santé. Manger et être soigné quand il est malade. Et pour le centre nutritionnel, c'était soigner les enfants. Ce n'est pas seulement manger, mais soigner les enfants malades par un traitement systématique, la réhabilitation nutritionnelle. Je ne suis pas nutritionniste, mais j'ai appris à soigner les enfants par les traitements systématiques. C'est ce que j'ai appris chez Action contre la faim. Parce que j'ai dirigé des équipes d'Action contre la faim à Tingi Tingi, à Kisangani. Quand Kisangani est tombé, j'étais là. Ok. Et je suis rentré à Kinshasa. Je suis resté représentant intérimaire d'Action contre la faim à Kinshasa. Quand les expatriés sont partis à Brazzaville. Oui. Et c'est pendant que j'étais là dans des meetings des Nations Unies que j'ai appris à diriger une ONG. Et c'est comme ça que j'ai eu le goût de former avec des amis cet ONG dont je parle, Hope International Asbel. Et c'est depuis 1999 que nous avons eu à travailler sur les enfants congolais. On a commencé par les traitements systématiques des enfants malnutris à Bumbu. Nous avons implanté un centre d'hébergement des enfants non accompagnés déplacés des guerres en Ganamusolo. Nous avons eu à lancer l'un des premiers centres pour filles de la rue à Kinshasa. Je vais vous surprendre. Oui. Kofi Annan, quand il est venu en 2006, c'est moi qui l'ai invité. Ok. Il n'a pas été invité par le gouvernement congolais. Il était en congé. J'avais invité son épouse et parce que nous avions été décernés la première structure de prise en charge des enfants de la rue à Kinshasa. Et c'est comme ça que le comité italien de l'UNICEF nous avait décerné le titre de champion de défense des droits des enfants à Kinshasa en 2001. Et c'est à ce titre-là que Kofi Annan va nous suivre pas à pas et il va venir à Kinshasa avec madame son épouse en 2006 pour visiter notre centre. Oh, c'est-à-dire que vous avez une ouverture sur le monde, hein, jusqu'à ce que vous êtes parti au Canada compléter votre formation. Et vous comprendrez que c'est cette ouverture-là qui a aidé l'ENA. Parce que je me rappelle quand j'ai été recruté à l'ENA, et d'abord c'était un recrutement aussi qui était objectif parce que ceux qui avaient donné le label ENA à la RDC, donc les Français, ils étaient exigeants. Ils avaient dit au gouvernement congolais, nous vous donnons notre label, mais il faudrait que ce label-là puisse être respecté. Il faudrait que tout se passe à l'ENA, tout ce qui va se passer à l'ENA puisse suivre les procédures de l'ENA. Notamment les normes, les conditions de recrutement. Les normes de recrutement. Oui. Vous savez vous-même comment je vous ai recruté comme formateur. C'est parmi, très exigeant. C'est parmi autant de spécialistes. Très exigeant. Prendre le meilleur de meilleur. Et d'ailleurs, à chaque rentrée, vous nous convoquez, nous les formateurs, les professeurs, pour nous donner les cahiers des charges. Et chacun doit exprimer exactement ce qu'il doit faire. Chacun doit passer par les conseils pédagogiques. Absolument. Pour représenter son plan de présentation, pour voir s'il a innové, pour voir s'il n'est pas resté statique. Oui. Et si on tombe sur quelqu'un d'autre qui devient beaucoup plus percutant par rapport à l'ancien formateur, nous prenons le nouveau. Absolument. Mais vous avez eu la chance parce que jusqu'aujourd'hui, on vous a toujours repris parce que vous avez toujours été percutant. Merci. Et je me rappelle que vous venez de terminer votre cours sur la communication institutionnelle. Absolument, absolument. Merci beaucoup de la confiance. Et surtout, on a été rejoint par des grands professeurs comme le professeur Kalouba, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, qui font partie des grands formateurs aujourd'hui. Professeur Kalouba, ça a été une chance pour l'ENA, parce que depuis la création de l'ENA, on cherchait qui va donner le cours de légistique. 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 Comment élaborer les textes, les lois de la République. Mais je dois vous avouer que on a eu des difficultés pour trouver un formateur congolais pour donner le cours de logistique. Bien qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent la logistique en RDC. Je me rappelle, la première promotion de l'ENA, c'est l'ambassadeur de France qui va nous dépanner en nous trouvant un grand formateur à Dakar. Okay. Et qui coûtait très cher. Heureusement que nous étions appuyés par l'ambassade de France. Et c'est comme ça qu'on va faire venir M. Boubacar Diallo. C'est le premier qui a donné cours de logistique en RDC. Enfin, à l'ENA RDC. Et après, Boubacar va nous dire, écoutez, moi je le fais juste par panafricanisme. Parce que j'ai apprécié le fait que au cœur de l'Afrique, qu'on puisse maintenant créer une ENA qui n'existait pas depuis un certain temps. Parce que, comme vous savez, l'ENA se vient de cendre de l'ENDA. L'ENDA, oui, que
Étienne Tshisekedi dirigea à son temps. Il était le premier dirigeant de l'ENDA, quand oui. Il était vice-ministre de l'Intérieur, oui. Non, de la Justice. De la Justice, avec comme ministre Marcel Liaou. Oui. Les gens comprendront plus tard comment il y a eu des noms qui ont été cités comme noms de promotion. Des promotions, oui. C'est pas par hasard. C'est pas okay. par hasard. Aujourd'hui, la 8e promotion porte le nom de Simon Kimbangu. Ce n'est pas un hasard. Ah, et on vient de consacrer le 6 avril la journée de Simon Kimbangu. Donc l'ENA fait l'avant-gardiste de la politique congolaise. Alors, monsieur Yeter, nous venons de voir un portrait de vous. Qu'est-ce qui a milité à la mise en place de l'ENA, à votre avis? La mise en place de l'ENA a été militée par un problème à résoudre. On a parlé des 60, 61, que l'ENDA avait existé, l'école nationale de droit d'administration. Parce qu'il y avait l'impréparation des cadres en 1960. Voilà. Il n'y avait pas suffisamment au sein de l'administration. Les Belges étaient partis. Il fallait créer de nouveaux administrateurs de la fonction publique. Et c'était publique. Dans presque tous les pays africains que des écoles ont été créées. La nôtre aussi a été créée. Et elle a fait son travail. Elle a fait un bon parcours. Malheureusement, en 71, l'ENDA va disparaître. Ah, l'ENDA a disparu en 71. L'ENDA a été fermé en 71. À cause des problèmes politiques. C'est qu'il y a eu au campus, et puis Mobutu a été un peu frileux par rapport aux étudiants, on se rappelle. Bon, et parce que je sais que quand je suis arrivé à l'ENA, j'ai eu à parcourir l'historique. Autant de grands hommes. Oui. Je me rappelle le maître Yoka. Oui. Il a été directeur de formation à l'ENA. C'est une bibliothèque. Absolument. Il m'a raconté beaucoup de choses sur l'ENDA. Il m'a même dit comment l'ENDA était fermée. Oui. Et bon, dès 71 jusqu'en 2013, nous sommes restés sans une seule école qui pouvait préparer les fonctionnaires au poste. Parce qu'on peut, bien faire l'université, mais moi j'ai fait les sciences économiques. Je me rappelle que... Mais les mécanismes de la fonction publique, de la grande administration... C'est autre chose. Et c'est par une école... Et l'école professionnelle, qu'on prépare les fonctionnaires au poste. Comment rédiger des textes? Comment élaborer des rapports? Et alors, c'est seulement, je me rappelle, en 2001 déjà, il y a une tentative avec le ministre Mukulungu qui va créer l'ENAP, l'école nationale L'ENAP. D'administration publique. Ok. Avec une vision, renforcer les capacités des fonctionnaires de l'État. Malheureusement, les dirigeants de l'ENAP, ils vont aller ailleurs. Ils vont faire de l'ENAP une université. Ok. Mais désormais, il y aura un premier graduat, deuxième graduat, troisième graduat. Et le gouvernement s'est dit, ce n'est pas ça la vision qu'on voulait pour cette école. Ce n'est pas ça. Nous voulons que l'école puisse être au cœur des transformations des fonctionnaires. Et non former les universitaires. Parce que les universitaires sont déjà formés dans les universités, qui font leur boulot. Alors c'est ainsi que vraiment il y a chevauchement. En tout cas, nous sommes restés sans une école prestigieuse. Et le premier ministre Matata, parce qu'il était aussi pour l'exigence, il a créé cette école de l'ENA. Et on a vu qu'il y avait une espèce d'engouement. Mais vous êtes resté sélectif. Comment on fait pour accéder à l'ENA? Nous sommes restés sélectifs parce que d'abord, et moi-même, pour être recruté DG à l'ENA ou DGA, parce que j'étais recruté DGA, je suis passé par un concours. Parce que il fallait suivre les exigences de ceux qui nous ont donné le label. Donc les DG et les DGA à l'ENA sont recrutés sur concours. Et après, on nous donne des instructions, on dit voilà, les textes pour ta création de l'ENA, tout repose sur la méritocratie. Il ne faudra pas qu'il y ait du clientélisme pour entrer à l'ENA. Et je peux donner ma tête à couper, depuis que je suis à l'ENA, je ne connais pas un seul élève de l'ENA qui a fait la prison. Qui est entré par Recommandations, piston. Non, en tout cas, je n'en connais pas. Il est vrai que de temps en temps, nous recevons certaines recommandations oui. que respectueusement nous mettons de côté. Et des fois, nous allons vers ceux qui recommandent pour dire que non, chère autorité, ce n'est pas ça. Voilà, à l'ENA, c'est la méritocratie. Et ça passe. Et nous avons été soutenus par le chef de l'État, que ce soit Kabila, que ce soit le chef de l'État, ils nous soutiennent jour pour jour et ils veillent à ce que c'est. Principe de méritocratie puisse rester. Mais justement, on a vu le président Tshisekedi recevoir la promotion avec vous-même d'ailleurs, les élèves de l'ENA. Aujourd'hui, parlons un tout petit peu de contenu pédagogique de l'ENA. Parce que vous-même, vous veillez à chaque programme, à chaque rentrée,
Sur base de quoi vous établissez le programme de l'ENA? Ce n'est pas nous qui établissons les programmes. Les programmes, dès le départ, avaient été établis par le gouvernement de la République. Okay. Par un arrêté. Donc, nous n'inventons rien. C'est créé par arrêté. Nous n'inventons rien. Donc, les cours que vous dispensez, oui, ça a été coulé par un arrêté ministériel. Pour que nous puissions changer les titulaires de ces cours, il faut qu'il y ait un autre arrêté ministériel. C'est pour cela qu'aujourd'hui, même qu'on est en train de travailler sur la refonte, oui, du programme de formation à l'ENA. Oui. Parce qu'après 10 ans, il faut actualiser. Il y a beaucoup de choses que nous avons apprises, oui, et il y a des choses qui ont marché, oui, et il y a là où ça n'a pas marché. Oui. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il y a même des équipes, des experts qui viennent de l'ENA France, l'Institut Egbo de Bruxelles, avec qui nous travaillons sur la refonte du programme de formation à l'ENA. Oui. Alors, le programme qui existe, il a été coulé sur arrêté. Et maintenant, comment on attribue le cours aux formateurs? D'abord, à l'ENA, les formateurs, ce n'est pas parce que vous avez un doctorat que vous pouvez être formateur à l'ENA. Ce n'est pas parce que vous avez autant de diplômes que vous pouvez être formateur à l'ENA. Les formateurs à l'ENA, ce sont les praticiens. Par exemple, pour le cours de communication institutionnelle. Pourquoi on a attribué ce cours à Jean-Marie Kassamba? Mais c'est ça son travail. C'est ce qu'il fait chaque jour. C'est ce qu'il fait maintenant, là, avec moi. Oui. Communiquer institutionnellement. Donc, voilà pourquoi Jean-Marie Kassamba donne le cours de communication institutionnelle. Donc, à l'ENA ne donne cours que ceux-là qui pratiquent ce qu'ils viennent de donner comme cours. Et en plus, c'est plutôt des échanges avec les élèves. Mmh. Ce n'est pas des cours magistraux. C'est pas comme à l'université. C'est échanger avec les élèves, d'autant plus que tous, ils sont licenciés. Alors, il y a beaucoup des gens qui sont intéressés, là, quand on vous écoute comme ça, et la notoriété de l'ENA, qui sont intéressés pour accéder ou venir à ce concours de l'ENA. Est-ce qu'il y a un critérium précis en dessous duquel on ne peut pas rêver de devenir élève à l'ENA? Effectivement, il y a un critérium. L'ENA, quand il a été créé, c'est pour, comme vous avez déjà dit, et pour répondre à un besoin, l'administration publique congolaise vieillissante, il fallait la renouveler. Donc, nous sommes inscrits dans le programme de rajeunissement de l'administration publique. Si vous voulez rajeunir, vous ne prendrez plus un vieux pour venir rajeunir. Oui. Il faut prendre un jeune. Un fonctionnaire de 60 ans, il ne peut pas venir élève à l'ENA. Et à la création, il a été dit que ne peuvent venir à l'ENA que ceux qui ont moins de 25 ans. Moins de 25 ans. Moins de 25 ans. Là, c'est pour ceux qui sont... Non, j'avais été fonctionnaire. Mm-hmm. Et ceux qui étaient fonctionnaires, c'était moins de 27 ans. Mais après, il y a... Ça a évolué un tout petit peu. Après, il y a la loi. La loi est sortie. Il y a une loi qui a été promulguée. Alors, on ne peut pas déroger à la loi. Et la loi stipule aujourd'hui que ne peut entrer dans l'administration publique celui qui a moins de 35 ans. Donc du coup, nous avons mis la barre à 35 ans. Maximum. Pour entrer à l'ENA, pour la formation, pour ceux qui ont de la formation initiale, il faut avoir moins de 35 ans. Ça, c'est le premier critère KO. Qui élimine suffisamment beaucoup de gens qui aimeraient bien faire partie d'une promotion comme celle-ci. Voilà, vous avez là le chef de l'État, le Premier ministre, le ministre de la Fonction publique, et vous-même qui êtes là juste à côté du ministre de la Fonction publique. C'est prestigieux, ça. Et tous, ils ont moins de 35 ans. Tous. Tous les élèves. Personne n'a plus de 35 ans. Donc l'ENA, quand il a été créé, il a été inscrit dans le programme de rajeunissement. Et maintenant, un rajeunissement qualitatif. Parce qu'il était question que nous puissions désormais produire une administration compétitive. L'administration, c'est un des secteurs de la vie de la nation. Mais elle doit produire. Et pour qu'elle produise, il faut des ressources humaines de qualité. Il faut des gens qui peuvent réellement produire. Il faut des gens qui doivent être aguerris. Il faut qu'ils puissent avoir des instruments de production. Alors c'est ainsi que les gouvernements de la République avaient dit que pour entrer à l'ENA, pour avoir cette ressource humaine qualitative, il faut passer par un recrutement. Un recrutement objectif. Un recrutement transparent. Mais un recrutement rigoureux. Aujourd'hui, vous avez une noble mission, monsieur le DG, c'est de former un Congolais nouveau. Hein, ceux qui nous suivent en ce moment se disent, mais c'est quoi la méthode du DG de l'ENA, Guillaume Bangam-Wakimessa? Est-ce qu'il est rigoureux avec les élèves, il est rigoureux avec les formateurs, il est rigoureux dans la gestion, comme il a été dit dans votre portrait? Des moyens qui sont mis à votre disposition, est-ce qu'il n'est pas tenté par les favoritismes, quelquefois? Effectivement, le secret, mon premier secret, c'est la rigueur dans la sélection des apprenants.
que ce soit pour la formation initiale que pour la formation continue. Parce que là, je vais parler après d'une autre émission noble de l'ENA. Oui. C'est renforcer les capacités des fonctionnaires de l'État. Ah, vous le faites aussi, ceux qui sont en poste. Ça, c'est la plus grande mission de l'ENA. Et la formation continue. La formation continue de tous les agents publics de l'État. Donc, et les agents publics, ça commence par le chef de l'État, le premier ministre, les députés, les sénateurs. Tous ces sont nos apprenants. Et il y a des choses que nous faisons que les gens ne savent pas. Nous formons par exemple tout le monde. Les nouveaux secrétaires généraux qui venaient d'être nommés. Ok. Mais ils ont été formés par qui? Par l'ENA. Ah oui, c'est vrai qu'on a renouvelé les secrétaires généraux du gouvernement. Tous ce sont mes apprenants. C'est comme ça quand j'arrive chez un secrétaire général, ah, monsieur le préfet est arrivé. Tous ce sont mes apprenants. C'est vous qui le mettez quand vous voyez séminaire de formation, de mise en condition. En ce moment-là, c'est un séminaire d'évaluation. Parce qu'il est dit que désormais, celui qui veut accéder à un poste supérieur doit passer par une évaluation. Et pour qu'il n'y ait plus des promotions fantaisistes. Quand on évalue, il y a un classement. S'ils étaient 118, on a pris que je crois qu'il y a une soixantaine. Ah oui? Ah oui, c'est tout. Les autres, là, ils n'ont pas démérité, mais ils n'ont pas été bien classés. Ils n'ont pas été nommés secrétaires généraux. Ils sont restés directeurs. Ah, mais on pensait que ces nouveaux secrétaires généraux ont été nommés d'office, sans sélection, mais sans évaluation. Mais c'est un processus qui avait commencé sous le régime Kabila. Ok. Oui, ce n'est pas ce régime qui les a recrutés. C'est à la fin du régime Kabila que nous avions organisé une évaluation. Il y a d'abord une sélection avec Sénarec, et puis il y a une formation avec l'ENA, et il y a un partenaire, CADISEC, qui a procédé par l'évaluation. Et c'est comme ça qu'on a essayé un peu de donner la chance rien qu'à ceux qui méritaient. Donc, les secrétaires généraux qui sont là, ils le méritent parce qu'ils ont été formés par l'ENA et ils ont été sélectionnés par Sénarec et ils ont été évalués par CADISEC. Est-ce que vous avez foi dans la nouvelle administration que vous êtes en train de former aujourd'hui? Du moins, l'ancienne et celle que vous êtes en train... Enfin, on a renvoyé à la retraite un certain nombre, hein, mais vous êtes en train d'injecter dans cette administration un certain nombre de hauts fonctionnaires. Est-ce que vous avez foi? Effectivement, dans la stratégie de réforme qui avait été initiée en 2012 sur la fonction publique congolaise, il y a eu des piliers majeurs. Le premier pilier majeur, c'était du côté rajeunissement, l'ENA. Mais à côté de l'ENA, il y a un autre pilier, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale, les agents publics de l'État, qui s'occupe de la mise à la retraite des fonctionnaires. Ça, c'est deux grands piliers. Donc, d'un côté, on rajeunit, mais avant de rajeunir, il faut partir ceux qui sont... Dignement. Ceux qui sont déjà retraitables pour qu'ils cèdent la place aux nouveaux. C'est ça. Comme ça, au moins, cette fois-là, qu'ils partent de manière honorable. Et c'est ainsi que le gouvernement a fourni beaucoup d'efforts. Vous avez suivi, les retraités d'aujourd'hui, ils sont payés. Oui, CNSS fait du bon travail. Ils sont payés. Et là, le vice-premier ministre, qui est le patron de la fonction publique, là-bas, a un travail des titans. Parce qu'il a un programme de mise à la retraite et un programme de rajeunissement. C'est comme aussi de notre côté aujourd'hui. Nous sommes déjà en train de travailler comment passer de 100 à 200. Parce que chaque année, nous n'avons que 100 lauréats. Oui, c'est ce qu'on trouve. Hein. Pourtant, la République démocratique du Congo... Immense. C'est immense. C'est immense. 200, c'est peu. Les moyens sont... ou plutôt les besoins sont immenses. Immense. Et là, déjà, nous sommes en train de travailler comment passer, même déjà peut-être à la 8e, à la 9e promotion qui sont des recrutés, comment passer de 100 à 200. Et plus tard, parce que déjà, le chef de l'État, il a notre projet, il tient à ces projets-là, nous devons construire à Kinshasa un grand campus qui pourrait accueillir 500 ou 1000 candidats par an. Et d'autres sous-régions. Parlons justement de ce campus, il est vraiment attendu. Enfin, nous, les formateurs, nous attendons les cadres plus appropriés. C'est un projet qui date, ça fait un certain temps. Est-ce que vous avez espoir que ça pourrait arriver bientôt? Campus destiné à la formation de l'élite de l'administration publique. J'ai espoir d'autant plus que ce projet aujourd'hui est porté au plus haut sommet de l'État. Le président Tshisekedi. Le président de la République, si vous l'avez suivi lors de son discours de la clôture de la 7e promotion de l'ENA, oui. Il a parlé de ces campus-là. Et il n'a pas parlé au hasard. Ce campus, aujourd'hui, a un terrain, n'est-ce pas? À Maluku. 8 hectares et demi. 8 hectares et demi. C'est dans la zone économique spéciale. Oui. Ce campus, aujourd'hui, il a un projet qui est suivi par le gouvernement parce qu'il a été inscrit dans la loi des finances 2023. Nous avons suffisamment d'argent pour amorcer les travaux des constructeurs de ces campus. Nous avons déjà signé une convention avec l'OVD parce que
L'OVD va procéder pour l'assainissement, le drainage, etc. Les sites, le virage des caniveaux, tout le travail des sols, il y a des fonds pour le faire. Et nous avons des crédits suffisamment dans la loi de finances. Nous avons déjà reçu l'avis des normes d'objection de la DGSMP. Au niveau du marché public. Au niveau du marché public. Oui. Nous avons déjà le PPM. L'autorité de tutelle, qui est le patron de la fonction publique, il a déjà engagé des fonds pour que ces campus soient financés, pour que les travaux de l'OVD soient exécutés. Mais, on sait que vous êtes l'un des promoteurs de ces campus. C'était un peu votre cheval de bataille pendant tous ces temps. Quand il va avoir le jour, ces campus, est-ce que vous allez les gérer? Et là, un clin d'œil à l'Académie des Beaux-Arts, qui est vraiment un modèle aujourd'hui de gestion très, très propre, très agencée, etc. Est-ce qu'il va y avoir des étudiants qui vont dormir là-bas, pas mal, quand même mal, à l'écart de Kinshasa, un peu à quelques kilomètres? Ou bien les élèves vont faire un aller-retour pour revenir en ville? Nous l'appelons d'abord campus. Parce que c'est un campus, il y aura des bâtiments administratifs, il y aura des dortoirs pour les apprenants, il y aura des appartements pour les formateurs. Okay. Monsieur Jean-Marie, quand il viendra donner cours là-bas, il ne viendra pas de sa maison. Ah. Il sera logé là-bas par l'école. Ah. Les formateurs qui viendront de l'étranger seront logés là-bas et aux frais de l'école. Parce qu'en ce moment-là, l'école, ça sera une grosse machine. Mm. Nous aurons même des activités génératrices de revenus là-bas. Nous aurons un hôtel là-bas de 5 étoiles. Oh. Prévu dans la maquette du campus. Tout ceci dans le projet. Dans ce projet-là, et c'est sur la maquette. Nous aurons un supermarché là-bas. Évidemment, ça ne sera pas géré par l'école. On peut il y a des opérateurs un prestataire dans les PP, oui qui fait son travail, et puis c'est sous le label de l'école. Absolument. Nous aurons des dispensaires, nous aurons des cercles récréatifs. Donc, c'est pratiquement comme l'Unikin, quand on voit l'Unikin, où il y a tout. Évidemment, pour ceux qui sont des élèves, ils ne sortiront pas de la ville, ils seront logés là-bas. Très pour ceux qui ont de la formation initiale, mais pour ceux qui ont de la formation continue, si c'est un séminaire de renforcement de capacité. Mais les apprenants, ils seront en résidentiel là-bas, parce qu'il y aura suffisamment d'appartements pour tout le monde. Donc c'est tout un village. Mmh. Parlons des principes, monsieur le DG, parce que ce qu'on reproche souvent à nos fonctionnaires, c'est la cupidité, la confusion, la corruption, beaucoup de scandales. Est-ce que dans le cours de l'ENA, cette maison que vous connaissez, de la fonction publique, est-ce que vous allez créer de nouveaux Congolais qui vont être de partie, enfin, des poussiérés, lavés de ces pratiques un peu condamnables qui sont décriées par tout le monde. Décriées par tout le monde. La devise de l'ENA, servir l'État avec intégrité, patriotisme. Donc, on ne pourra jamais déroger à cela. Et la formation que nous donnons aujourd'hui à nos élèves, tout commence par l'éthique et la déontologie professionnelle. Parce que sans éthique, on ne peut rien construire. C'est ainsi que nous voulions vraiment que nous puissions produire de nouveaux fonctionnaires. Des fonctionnaires qui pourront transformer notre administration. C'est ça la mission des produits de l'ENA. Ils sont trop peu, mais quand ils sont injectés dans une administration, ils doivent servir des modèles. Voilà pourquoi il est vrai que même le gouvernement, quand il recrute ces jeunes gens, il met la main dans la poche. Parce que le recrutement des élèves de l'ENA, c'est coûteux. Ça voisine le million de dollars. Et est-ce qu'on les accepte facilement dans l'administration, par l'ancienne génération, on va dire? Au départ, c'était des petits problèmes. Mais aujourd'hui, nous avons travaillé sur l'intégration de ces élèves dans l'administration et ça commence à marcher. Et ça marche surtout quand nous organisons des formations continues pour les anciens. Parce qu'eux aussi, quand ils viennent à l'ENA, ils disent, nous devenons aussi des énarques. Ah. Ça leur fait plaisir. Et ça a été la bonne stratégie. Oui. Donc aujourd'hui, ils sont intégrés, ils sont accueillis et ils occupent aujourd'hui des postes à responsabilité. Mm. Parce que parmi les énarques, la vieille génération, on a déjà des directeurs. Ok. Nous avons des conseillers du chef de l'État. Nous avons des conseillers du Premier ministre. Ça veut dire que ça marche. Et ils sont en train petit à petit de transformer là où ils arrivent. Ils peuvent être à 2, à 3, à 4. Mais après, on sent que non, les autres suivent leur modèle. Quelle image ces élèves sortis de l'ENA véhiculent à travers l'administration? Ce sont des électrons libres, ils sont un peu comme qui dirait des espèces rares qui viennent perturber les habitudes des gens. Ils partent avec un principe sacro-saint, l'humilité précède la gloire. L'humilité.
Ils viennent pas tout apprendre aux gens. Mmh. Ici, vous êtes mal habitués. D'abord, ils arrivent comme attachés d'admission de première classe. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas directement comme chef de bureau. Attachés d'admission de première classe, ils ont un chef de bureau qui les coiffe. Et après, par leurs prestations, c'est leur chef hiérarchique qui dit « Ah non, 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 non. Celui-là, il mérite maintenant de diriger un bureau ou une division. » Mais en tout cas, ils sont humbles. Et ils sont formés pour ça. Demeurer humbles. Parce que sans humilité, ils ne pourront jamais réussir. Pas l'arrogance. Je sors de l'ENA, je suis énarque. Non. Je vais vous apprendre comment faire avec la nouvelle administration. Par contre, les autres, ils disent, parce qu'ils connaissent, parce qu'ils ont de nouvelles méthodes. Les vieux, ils peuvent dire, je peux aussi apprendre auprès du petit, sans gêne. Et ça se passe très bien. Et ça fait votre fierté, ça. Ça fait notre fierté. Et vous, à titre personnel, aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait de contribuer à la création d'une nouvelle classe des hauts fonctionnaires nationaux, à titre personnel? À titre personnel, je dis d'abord que je suis l'homme le plus heureux. Parce que je me dis, le jour que je partirai de l'ENA, j'aurai laissé une empreinte des gens qui pourraient transformer notre administration. Ils savent comment ils ont été recrutés. Personne d'entre eux pourrait dire que non, j'avais été recruté parce que je connaissais les DG, ou parce que j'étais son cousin, ou parce que j'étais l'ami à son père, mon père était son ami. Ils savent tous que nous avons été acceptés à l'ENA par la méritocratie. Donc, j'ai été capable de pouvoir affronter les concours et j'ai réussi. Et je me suis bien classé et là, je suis là. Donc, ça c'est un. De deux, je suis en train de voir petit à petit comment notre administration est en train de se transformer. Depuis la première promotion, petit à petit, je le sens. Je vois même aujourd'hui, prenez seulement l'administration de la fonction publique. Oui. Qui voulait aller là-bas? Même les énarques eux-mêmes. C'était poussiéreux. Être affecté à la fonction publique, c'était un mouroir. Un mouroir. Mais voyez aujourd'hui, moi je vois des énarques. Des jeunes, même des jeunes professionnels qui disent, moi je vais être affecté à la fonction publique. Parce que la fonction publique, le visage a été transformé. Allez dans les bureaux de la fonction publique aujourd'hui. Tout est transformé. Je me rappelle même, il y a quelqu'un qui est passé là hier, il me dit, j'ai vu la fonction publique par l'extérieur, mais dedans c'est autre chose. Des bureaux propres. Chacun a son... Oui, ils commencent maintenant à étudier l'informatique, l'internet. Tout a commencé par l'administration de l'ENA. C'est quand les gens voyaient, ils arrivaient à l'ENA, ils disaient que non, ici, c'est comme si on n'est pas à l'RDC. Oui. Maintenant, aujourd'hui, il y a la fonction publique, c'est comme si on était aussi à l'ENA. Donc, c'est fini des piles des dossiers crasseux, qu'on n'arrive même pas bien stockés, on ne sait même pas retrouver un dossier de quelques semaines. Et par la formation continue, nous nous occupons des anciens fonctionnaires. Dans la mesure de nos possibilités. Parce que c'est vrai que la formation continue coûte trop cher. Et c'est beaucoup de cohortes, des gens à former. À l'ENA, c'est 100 personnes, c'est pas que nous formons par an. Mais s'il faut former 5 000, 10 000, 30 000, il faut beaucoup de moyens. Et nous disons quand même que nous ne sommes pas seule institution de la RDC. Est-ce facile? Nous sommes suivis dans beaucoup d'administrations en ce moment. Il y a beaucoup de hauts fonctionnaires, notamment dans le secteur de la justice. Moi, je vois quand je passe au palais de la justice, là-bas, beaucoup me reconnaissent. Ils disent, ah, monsieur Jean-Marie, vous ne nous envoyez pas un clin d'œil. Voilà, je vous salue. Est-ce que, avec cette formation continue, les gens changent leurs habitudes? Les gens qui étaient habitués, excusez-moi du peu, à venir en retard, à faire des rapports manuellement, à ne pas archiver les dossiers, à la corruption. On appelait ça Madé Swabana. Effectivement, mais c'est ça même les mobiles. L'intégrité dont vous parlez, est-ce que vous allez facilement implémenter ça dans les chefs de nos fonctionnaires des années 80-90? Effectivement, nous le faisons. Parce que quand nous lançons des sessions de formation continue, c'est avec des modules spécifiques. Qu'est-ce que nous visons dans cette formation? C'est transformer les fonctionnaires. Quand on dit renforcement des capacités, ça veut dire quoi? Il faut transformer celui pour lequel vous renforcez. Si je dis, bon, je dois former des chefs de division, premier module, l'éthique et la déontologie professionnelle. Et ce n'est pas moi qui le fais maintenant, à ce moment-là. Je tends la main à l'OSEP, qui est l'observatoire. Et là, il y a le professeur Wendambal, il vient former ces gens. Okay. Là, il vient jouer son rôle. Si je vais former les gens en passant sur le marché public, mais les formateurs, je les recrute où? À la RMP. C'est là où il y a des praticiens. Si je vais aller inculquer aux fonctionnaires la Bible de la fonction publique, c'est quoi? C'est les statuts. Et je vais où? Je vais chercher mes étudiants, nous, qui a écrit sur le statut, qui a pratiqué le statut, et qui, toute sa vie, c'était que ça.
aujourd'hui il les mérite. Donc, le renforcement de capacité, ça vise véritablement à transformer la mentalité du fonctionnaire. Mmh. Et alors, les titres que vous donnez, le certificat de formation, est-ce qu'il est reconnu par, on va dire, l'enseignement supérieur, universitaire, ou tout simplement notre système éducatif national? Ah, une belle question, parce que je dois d'abord commencer par dire que l'ENA, c'est une école professionnelle, ce n'est pas une université. Et en tout cas, si ça ne dépendait que de moi, il restera une école professionnelle. C'est plus pratique. Nous sommes fiers d'être une école professionnelle. Et le diplôme que nous décernons, la formation de l'ENA n'est pas une formation diplômante. C'est une formation certifiante. C'est un certificat qu'on donne. Tel est passé par l'ENA, mais il a été transformé. Nous ne visons pas les diplômes, nous visons la transformation. Mais, parce que nous brillons tellement que... Oui, c'est ce que j'allais dire. Les universités... Vous êtes l'élite. Les universités nous convoitent. Oui. Et je me rappelle, par exemple, il y a une université étrangère qui est venue ici implémenter un master sur la gouvernance et le management public. C'est l'université Senghor d'Alexandrie. Oui. Il est arrivé, il voulait nouer le partenariat avec certaines universités. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Mais au finish, on lui a dit, il faut aller voir un peu du côté de l'ENA. Bien que l'ENA étant une école professionnelle. Et quand ils sont arrivés à l'ENA, ils ont trouvé tous les standards requis. Ils ont dit, c'est ici où nous implantons notre master, à moins qu'ils nous refusent. Donc aujourd'hui, il y a un master de l'université francophone d'Alexandrie à l'ENA. Aujourd'hui, le master est opérationnel. Ah, donc oui. Le master en management public oui. Est opérationnel à l'ENA. Qui peut y accéder? Là, ça peut intéresser, excusez-moi du terme, le vieux. Enfin, des années certaines. Oui, qui peut accéder, ce sont là qui... bon, parce qu'il y a des dossiers qui sont envoyés et qui sont traités à Alexandrie. En Égypte. En Égypte. Par okay. L'université. Et qui disent que donc, voilà, telle candidature... Il faut postuler sur dossier. Sur dossier. Bien sûr, pour faire le master, il faut être au minimum licencié. En fait, licencié. Mais les dossiers sont envoyés à Alexandrie. Et c'est l'université d'Alexandrie qui trie les dossiers et qui dit, pour cette promotion des 30, on a pris que tel candidat. Puis pourtant, il y a 200, 300, 400 candidats. Qui postulent. Oui. Bientôt, là, on va lancer notre master. Toujours avec l'université d'Alexandrie. Okay. C'est un master sur la maîtrise d'ouvrage de projet. D'ailleurs, c'est une commande même de l'AFD. Encore une fois. Mais on dit très souvent, nous les Congolais, nous n'avons pas des projets. Il y a l'argent qui souffre dans les pipes parce qu'on n'arrive pas à mettre en place des dossiers bancables. Voilà. Et est-ce que vous formez les gens à faire des dossiers bancables? On pêche beaucoup sur ça. D'autres pays nous prennent des lignes de crédit comme ça. Je me rappelle même qu'il y a 5 ans, dans les cadres de la formation continue, l'ENA a formé des chefs de division et des chefs de bureau féminins. Ok. Des cadres féminins. Mm-hmm. Et l'un des modules qui avait été le plus apprécié de cette formation, c'était la gestion des projets. Ces chefs de division, ces chefs de bureau qui sont arrivés chez nous, chacun est arrivé, il a proposé son sujet de projet, enfin son... une espèce de business plan. Et il est sorti avec son projet en main. Ok. Parce que le formateur a dit, vous arrivez ici, chacun doit sortir avec son projet en main qui peut aller implémenter quelque part. Et je me rappelle même que c'est à l'issue de cette formation qu'il y a même certains cadres féminins qui ont eu à réussir à avoir des promotions. Je peux citer l'actuelle directrice des trésors et ordonnancement. Okay. Elle a bénéficié de cette formation-là. Et c'est à cause de cette formation qu'on a trouvé que non, elle avait le niveau escompté pour pouvoir gérer la direction du trésor et ordonnancement aujourd'hui. Et c'est une fierté pour la République. Merci beaucoup. Alors, à titre personnel, on va terminer, M. Yadéjé. Vous étiez dans l'humanitaire, la fonction publique. Aujourd'hui, vous êtes dans la formation. Vraiment à la fois continue, mais aussi de l'élite, de l'ENA. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour ce pays, la RDC? Terminer le campus de l'ENA. Ça vous tient à cœur, ça? Terminer le campus et partir à la retraite. Ça vous tient, ce campus? Ça me tient à cœur. Heureusement que le chef d'État m'a promis qu'il va poser la première pierre. Alors, quel message pour lui? Il vous suit maintenant, il vous écoute. Dites-lui quelque chose au chef de l'État. Je lui avais dit... Le jour de la clôture de la 7e promotion, oui. Il m'a posé la question. J'ai dit, j'attends de vous la première pierre. Parce que dès qu'on aura posé la première pierre, il y a même d'autres bailleurs de fonds qui pourront suivre les projets pour pouvoir nous appuyer. Et je sais que ces projets-là, il est tellement pertinent, il pourra faire de sorte qu'il y ait un boom au niveau de la RDC pour que la RDC soit véritablement transformée.
parce qu'on ne peut transformer la RDC qu'avec des ressources humaines de qualité. Et ces ressources humaines, c'est nous qui les formons. Et nous pensons, nous sommes certains que nous allons donner des gens capables, des gens qui pourraient innover et des gens qui pourraient transformer la RDC. Je peux faire un petit témoignage parce que quand le président Macron est arrivé ici, moi j'ai parlé longuement avec sa délégation, où effectivement l'ENA a été cité comme l'un des projets de coopération avec la RDC qui va être renforcé, non seulement les codes de guerre, mais aussi la formation de nos officiers, etc. Bravo, félicitations. Et là, c'est déjà un projet qui avec le CDD, oui. Avec l'AFD, on a les financements en cours. Donc, et vous bénéficiez, vous, de la confiance hein, de partenaires, ce qui est une très bonne chose pour notre pays. Effectivement, c'est parce que nous respectons les procédures, nous respectons le label ENA, qui est un label français, mais l'ENA RDC, c'est une ENA véritablement congolaise. Merci beaucoup, monsieur le DG. J'ai salué justement les élèves de l'ENA. Pour la promotion en cours. On venait de terminer le module et puis on va se retrouver pour la prochaine promotion. Merci à vous. Nous enverrons bientôt une équipe à l'ENA pour faire un petit reportage. Cette émission est disponible sur toutes les plateformes. Si vous voulez savoir comment on forme chez nous, eh bien, c'est le cas. La diaspora, vous qui êtes intéressé par une autre administration de la RDC, jetez un coup d'œil sur l'ENA. Vous allez voir que les choses changent. Allez, à très bientôt.